tu te manges ? Bon, je me magne, je fais un peu ce que je veux, t'as compris ? On va faire le professionnel et on va dire calme-toi, c'est des choses qui arrivent. Calme-toi, c'est des choses qui arrivent parfois. Quoi ? De quel genre de choses tu parles ? Le douanier a prévenu la corpo qu'on se trimbalait sa cargaison. Alors, c'est quoi la suite ? On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette malle qu'on devait livrer ? Ouvrir, super idée, on ferait mieux pas de toucher à la marchandise. On ouvre, on en a rien à foutre. Oh merde, il y a marqué Arasaka sur la caisse. On vient de voler un gros poisson. Alors on va peut-être se faire un gros paquet de fric. Putain, on dirait un poisson. Un vrai iguane. Des petites antilles, je crois. Ah oui, il est mort. Je crois qu'il va bien nous aider. Nous ? Ouais, partenaire. On va faire moi de prêt. Un bon fixeur trouvera un pommard plein aux as prêt à acheter cette beauté. Eh, au fait, tu sais ce que tu vas faire en arrivant à Night City ? On n'a pas de plan, moi je connais pas Night City, j'y suis jamais allé. Non, j'ai zéro plan. J'ai passé les dernières années à bouger d'un état à l'autre avec ma famille de nomades. Mais t'en fais pas. Je vais t'aider à trouver une piole. Un toit, c'est important. Et c'est aussi important d'avoir des gens sur qui tu peux compter. Comme une famille, tu vois. Tu t'en trouveras peut-être une à Night City. Merci, mon pote. Merci, c'est vraiment sympa. Arrête, dis rien. Le courant passe entre nous. Ce serait con de pas en profiter. Partenaire. Hé hey. Oh, il veut que tu le caresses. Ok, partenaire. On se lézard et on se tire en vitesse. C'est Stanley qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année, et encore, si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City, alors? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Boaboa. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. Ah, c'est ce qu'on dit, en tout cas. Ah, ça veut dire qu'on a fait quelques missions, là. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui ? Au cimetière ! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City ! La cité des rêves ! La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok ? Allez, au boulot, les gars. C'est parti. Entrer dans l'ascenseur et suivre Jackie. On va où ? Aux appartements ou au garage ? Ah, y a T-Bug qui m'appelle. Elle s'appelle Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures, sûrement en enlèvement. On doit buter quelqu'un. Si la cible est en vie, vous arrivez peut-être trop tard. Hey, on va arriver à temps, Bug. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade ? Charmant. Voyons voir. Trouvez le 1237. Qu'est-ce qui se passe ici ? Y a des gains ? Est-ce qu'il y a du monde ? On arrive trop tard. La musique commence à augmenter. C'est notre cible. Inspecter ces implants. Sont trop basiques, ils l'ont désossé, les gars, on est arrivé trop tard. Dick. Sandra Dorset dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de repos et ta tête de contrebande. Clairement, du boulot de seconde zone. C'est pas notre fille. C'est pas notre fille. Parfait, on continue. Elle est encore vivante, peut-être, les gars. Ouvrir. Tiens-toi prêt. Mène des roses droitement. Liquide-le en silence, mais. Je bute pas les gens. Très bien. Metal Gear Solid, on les met dans les planques. Joli. J'aurais pas fait mieux. Ils écoutent de la musique techno ou quoi, ces chacals ? Oh putain, ils sont là. Oh, qui c'est qui m'a vu là ? Mais d'où ils me voient là ? Je suis caché. On est cramé.
pas les gens. On va les défoncer. Je crois qu'on est bon. Allons-y. T'es prêt, mon pote? On ouvre. On va sortir le gun. Oh putain, est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le grand plongeon dans les glaçons ou quoi? Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps? Elle est vivante? On va vite le savoir. Mais connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. Consulter le biomoniteur, je me connecte, c'est parti. Je me connecte. Elle va pas bien, elle fait comme une overdose. Il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok. Elle convulse là. J'ai une idée. Regarde son neuroport. Si tu vois un éclat. J'ai vraiment l'impression qu'elle convulse. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. Une lécheuse de minou. Retirée, j'ai trouvé le coupable. C'est pas risqué? Allez, on retire. Ouais, y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose? Bé, dis-moi ce qui se passe. Taki, Eripo. Merde, ça craint. Attrape, essaie. On l'a sauvé ou pas? Je crois. Putain, ça a marché. Fuera, cabron. Emmène-la dehors. Alors c'est où qu'il faut l'amener là? Atterrissage, dégagé. Ah ils sont là, ils sont là. Je suis là pour la sauver. Tenez, oui, je recule. Allez-y. Sortez, monsieur les paramédics. Trauma Center. Ah oui, d'accord, les docteurs ils sont armés. Oui, je la pose, ne vous inquiétez pas. Déposez. 5 pas en arrière. Allez. Je crois qu'on lui voit la fouf. Ils vont la sauver ou pas? Patiente NC570442 sécurisée. Administration des stimulants suivants. 70 mg de dopamine, 110 de noradrénaline, 800 de fulminogène. Au revoir. Oh, on va prendre la caisse. C'est lui qui conduit. C'est là où on va voir le bug peut-être, où il traverse la porte tantôt. Alors, on va découvrir peut-être Night City. Attendre la fin du confinement. Rendez-vous en 2021, les gars. Ouh, Night City, les gars. Oh putain, les bâtards. J'arrive pas à tirer là. Le conducteur, très bien. Je prends note. Oh quand les gars, ça y est, on y a droit. On a eu droit à un freeze de 3 secondes. Alors autant vous dire que c'est le troisième bug. Faites beau rêve, on n'a pas traversé la porte tantôt. Sortir. Passe le bonjour à Misty. Ça marche. I'll wait. Alors, on va prendre l'ascenseur. Oh, Night City, les gars. C'est assez comique, un perso dans le jeu qui s'appelle T-Bug. Quand même. Eh oui, je suis d'accord avec toi.